Coucou, hello, 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 salut, 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 salut la famille Belle Idée. Contente de vous retrouver, d'être parmi vous, tout en espérant que vous êtes en santé et que tout va pour le mieux. Mais surtout, en ce jour, j'aimerais profiter pour vous dire tout simplement quelque chose. Ta vie dépend de toi, ta santé dépend de toi, ton bien-être dépend de toi. Quand tu es couvert du Saint-Esprit, tu dois rire, tu dois être content, tu dois être plein de vie. Tu dois être joyeuse. Tu ne dois pas te laisser à la dépression. Tu ne dois pas te laisser dans les problèmes. Tu ne dois pas être dans la perdition parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu est jaloux de son temple. C'est pour ça qu'il faut prendre soin du temple de l'Esprit-Saint. Il faut prendre soin de son corps. Il faut savoir dégager du positif. Il faut savoir faire ancrer des choses qui vont vous faire du bien. Alors, secrètement, c'est Dieu qui nous a donné cette plante dans la nature. Il n'y a pas de miracle. Tout est bio, tout est naturel. Alors, je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour pouvoir aider beaucoup de gens, pour pouvoir sauver beaucoup de gens. Mais retenez tout ceci. On peut beau faire tout intérieurement, on peut beau faire tout extérieurement, mais si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas le sourire, si tu n'as pas le cœur en paix, si tu n'as pas l'esprit de pardon, si tu n'as pas cette force de pouvoir t'asseoir devant les épreuves, tu seras toujours bouleversé, tu seras toujours dans la dépression, tu seras toujours décrété. Alors il faut dire, moi je suis l'enfant de Dieu, je suis né pour prier, je suis né pour célébrer mon éternel, je suis né pour être contente, je suis né pour être heureuse. Tu dois partager la paix, tu dois partager la joie, tu dois partager l'amour. L'amour, l'amour est rien que l'amour. Ne laisse personne venir te donner les rides, ne laisse personne pour venir faire faner ton corps, ne laisse personne pour venir mettre la haine, la méchanceté dans ton cœur. Tu dois verser tout cela au plus profond des abîmes, des océans. Tu dois dire, je suis l'enfant de Dieu, je suis né pour briller, je suis né pour prendre soin du temple de l'Esprit Saint qui est mon corps. Je dois purifier, je dois détoxifier, je dois être contente. Vraiment, mes soeurs, je vous partage cette parole aujourd'hui. Soyez heureuses, soyez contentes, soyez fiers de qui vous êtes. Quel que soit ce que tu es, sois fier. Il y a des gens qui ne s'en contentent pas. Oh, Dieu m'a fait courte. Dieu m'a donné la taille d'être courte. Dieu m'a donné la taille d'être... Je suis grande de taille, pourquoi? Personne ne se suffit. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est courte, il y a aussi une autre personne qui va être grande de taille. Il ne faut jamais, 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 jamais envier. Il ne faut jamais me dire pourquoi. Cet enfant de Dieu n'est pas né pour être pauvre. Il faut dire, je ne suis pas la pauvreté. Je ne veux pas marcher avec les gens qui vont me tirer dans la pauvreté. Je suis née pour regarder en avant. Je suis née pour grandir. Je suis née pour prospérer. Je suis née, je suis venue dans ce monde. Si je suis encore dans ce monde, ça veut dire que Dieu a une mission pour moi. Si Dieu me donne la grâce, me fait la grâce d'être arrivé à la nouvelle année, ça veut dire qu'il a une mission pour moi. C'est pour ça que je vous ai dit, ce mois de décembre doit être un mois où chacun doit faire un bilan. Chacun doit dire, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que vous allez vous rendre compte, c'est le don qui te donne la richesse. C'est le don qui te fait aller en avant. Chacun doit dormir et dire, quel est mon don? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons, mais ils ne le savent pas. Il faut des gens comme nous qui vont venir leur dire, tu as un don. Tu as un don, ma soeur. Tu as un don, mon frère. Tu peux commencer. Tu peux te faire valoir. Tu peux te faire respecter. Et au-dessus de tout, tu peux sauver ta dignité. Alors, prends soin de toi intérieurement. Prends soin de toi extérieurement avec tous mes produits dans Belle Idée. Vous avez des gommages, vous avez des sérums, vous avez des lotions, vous avez des crèmes, vous avez des beurres, vous avez du beurre de cacao, l'huile de palme, du beurre de coco, l'huile de moringa. Vous avez tout. Vous avez tout dans Belle Idée. L'heure de la gloire a sonné. L'heure de la victoire a sonné. Et tout ça dépend de chacun. On ne peut pas venir ancrer dans vos cœurs. On ne peut pas venir prendre, on vous dit ouvre la bouche, je verse et je ne vais pas faire aussi pipi à votre place. Non! Il faut que vous-même vous vous donnez cette force, cette détermination, cette motivation. Il faut que vous dites non, je suis l'enfant de Dieu, je suis né pour briller. Je suis né pour être élevé. Je suis né pour glorifier mon Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en elle, en lui, doit toujours rire.
Et vous êtes, vous est jamais arrivé de moment étant dans votre chambre, vous riez seul, c'est le Saint-Esprit. Il faut rire. Ne donnez pas la possibilité à quelqu'un de vous donner des rites. Ne donnez pas la possibilité à quelqu'un de vous faire être à un état d'esprit que vous allez être dans la perdition. L'enfant de Dieu ne doit pas être dans la perdition. Je dis non. Prends ta vie en main. Décide-toi de ce que tu veux faire. Éloigne de toi tout ce qui est négatif et fonce. La victoire, c'est devant. Et on ne met pas les yeux derrière. Les yeux, c'est devant. Il faut foncer devant. Alors, un seul mot, ta vie dépend de toi. Au revoir et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bye bye. À bon entendeur, salut surtout. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. N'oubliez vraiment pas de partager. Sauvons vraiment des vies. Dieu est au contrôle, c'est Dieu qui est le meilleur, c'est Dieu qui est l'alpha, c'est Dieu qui est l'oméga, ok? Et surtout, formez-vous, créez une activité, créez un emploi, valorisez-vous, faites-vous respecter dans la société, parce que c'est ton travail qui est ta dignité. C'est ton travail qui va te permettre d'avoir tout ce que tu voudras dans ta vie. Soyez infiniment bénis. Bye bye! God has decked thee, O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly, O Christmas tree. Côté, ça va par la grâce de Dieu. Je remercie l'Éternel et j'espère aussi que de votre côté, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis, chacun doit vraiment se détoxifier dans son intérieur. On doit vraiment être bien dans son corps. On doit vraiment se sentir en santé. On doit avoir une peau qui respire, un corps qui respire. C'est très important. Alors aujourd'hui, je viens juste vous rappeler, c'est déjà des choses que vous connaissez, car c'est très important, surtout cette recette que je vais partager avec vous. C'est une recette qui est pour les enfants, pour les hommes et pour les femmes. On a toujours dit non, secret de femme, non. Cette recette que je vais partager avec vous, c'est pour toute la famille. Ça veut dire que nous les mamans, nous les femmes, nous disons les piliers de la famille, nous devons commencer à inculquer cette petite notion pour apprendre à nos enfants, à nos maris, à tout le monde qui se trouve dans notre maison pour commencer à avoir de très bonnes habitudes qui seront bien pour notre santé. Car quand on se détoxifie, ça concerne tout le monde. Que vous soyez enfant, que vous soyez grand, que vous soyez homme, que vous soyez femme, ça concerne franchement tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens partager ce secret de grand-mère avec vous. Je vais vous faire voir comment est-ce que vous allez faire cette recette pour pouvoir réaliser et pour pouvoir la boire ensemble avec toute votre famille. Commencez déjà à habituer vos enfants à se nettoyer. Parce que là, vous connaissez déjà les propriétés de cette plante. Comme je dis toujours, on doit remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous a donné dans la nature. Cette plante que vous connaissez bien, qu'on appelle le gongoli, qui a aussi beaucoup de noms, c'est une plante qui est très bien, 100% naturelle, un antibiotique. Une plante qui va vous nettoyer vos clés intérieures, qui va vous détoxifier, qui va vous purifier. Parce que l'intérieur d'un être humain doit sentir bon, ça doit être un parfum naturel. Comme je vous dis toujours, on n'a pas besoin de se pulvériser le parfum, de pulvériser un parfum à l'intérieur de ses parties, dans son jardin secret ou quoi que ce soit, non. Les urines d'une personne humaine, ça veut dire femme, homme, enfant, ça doit sentir un bon parfum, ça doit sentir du naturel. Alors si vous avez des urines qui sentent vraiment trop fort,
avec cette recette, ça va vous aider. Ça, c'est une plante naturelle que le Tout-Puissant nous a donnée dans la nature. Alors, je vais vous faire voir aujourd'hui comment est-ce que nous allons faire cette infusion. Et sachez aussi que si vous voulez parfumer votre maison, si vous avez un problème d'humidité, il suffit juste de prendre cette plante et de mettre dans votre armoire, de mettre dans un coin de votre maison. Vous allez vous rendre compte comment votre maison va sentir bon et ça sera vraiment naturel. Alors, je vous conseille franchement, les mauvaises odeurs, la transpiration, les toxines, cette plante-ci va vous aider à éliminer tout. Parce qu'à la nouvelle année, comme nous devons faire des examens de conscience pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir aussi peser le pour et le contre et savoir ce qu'on peut faire dans sa vie comme au fil du temps. Donc, je vous conseille franchement cette recette. Prenez-la, consommez-la avec les membres de vos familles, ok? Bon, vous allez avoir besoin du gongoli. Moi, je vais utiliser croix. Je vous conseille d'utiliser franchement croix, c'est plus mieux, le traitement. Et ensuite, vous allez avoir besoin des clous de girofle. Les clous de girofle qui se présentent comme ça, 100% bio. Vous savez les bienfaits du clou de girofle. Les clous de girofle, c'est un anti-inflammatoire qui va vous permettre aussi de nettoyer votre organisme. Si vous avez des problèmes de douleur musculaire, ça va vous aider. Par exemple, c'est un produit qui va vous aider également à des bactéries, à des virus. Et c'est un produit qui va vous aider aussi à beaucoup de maladies à l'intérieur de vous. Alors, ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est juste à titre de rappel. Vraiment, commencez à prendre ce traitement. Vous ne serez pas déçus. Ça va beaucoup vous aider. Vous, la femme, vous, l'homme, vous allez sentir bon. Votre jardin secret va toujours sentir bon. Et à la femme, ça te nettoie même après les règles. Vous pouvez les prendre même quand vous êtes en période de règles. Il n'y a pas de problème. C'est de l'eau. C'est de l'eau naturelle. Ça a une bonne odeur. Ça va vous aider à être bien. Alors, il y a d'autres recettes que je vais partager aussi avec vous après les règles. Ok? Là, vous pouvez le prendre même pendant les règles pour pouvoir avoir une bonne hygiène, pour toujours sentir bon, pour toujours être bien à l'intérieur de vous. C'est très important. Ok? Donc, sans plus tarder, vous allez avoir besoin de l'eau, environ 1 litre d'eau. Voici 1 litre d'eau, l'eau minérale. Faites très attention parce que si nous utilisons déjà des ingrédients naturels qui vont nous permettre de sentir bon, d'avoir une bonne hygiène pour être propre intérieurement et pour que ça se reflète sur notre extérieur. On a beau voulu avoir une belle peau, un joli teint, on oublie qu'il faut toujours passer par l'intérieur parce que l'intérieur doit être bien. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites ce genre de traitement que je partage avec vous, ça va vous permettre de garder votre homme auprès de vous. Et vous les hommes, ça va aussi vous permettre de garder votre femme auprès de vous. Parce que vous allez toujours dégager une énergie positive. Vous allez toujours être bien. Vous allez toujours sentir bon, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Et aussi pour nos enfants. Parce que l'éducation commence au bas âge. Il faut qu'on commence déjà à apprendre à nos enfants comment est-ce qu'il faut prendre soin de son jardin secret, comment est-ce qu'il faut toujours être propre, comment est-ce qu'il faut commencer à l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur. Donc c'est une éducation que je pense que nous devons déjà commencer à inculquer à nos enfants. Alors voilà l'eau que j'ai eu à mettre ici à l'intérieur. Vous allez tout simplement prendre votre gongoli, je l'ai bien lavé, j'ai rincé tout simplement. Vous allez l'introduire comme ça à l'intérieur. Donc, je vais plier tout simplement comme ça. Je vais mettre pour que ça cale à l'intérieur. Vous pliez. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé. Voilà, donc je vais plier comme ça et je vais mettre le tout à l'intérieur. Vous voyez, après avoir mis le tout à l'intérieur comme ça, je vais venir maintenant ajouter les clous de girofle qui se présentent comme ça. Vous allez mettre 10 clous de girofle normalement. À chaque tige de gongoli, vous devez mettre 3 clous de girofle. Moi, je vais mettre 10, ok? Donc, j'ai eu à mettre 10 clous de girofle là à l'intérieur. Après avoir mis comme ça, vous allez le laisser pendant 24 heures. Vous allez commencer à le boire pendant 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez laisser tout le traitement comme ça, vous allez venir fermer, voilà.
Je vais venir fermer, vous fermez bien. Et vous avez le traitement. Vous allez le laisser maintenant pendant 24 heures, le temps que le produit puisse se déposer. Et vous allez le boire. Vous pouvez le boire chaque jour. Vous pouvez le boire comme votre eau. Vous pouvez le boire 4 fois par jour, 3 fois par jour, 6 fois par jour. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas d'effet secondaire. Le produit, il est bio. Le produit, il est naturel. Le produit, il est 100% bio. Je vous le conseille franchement. On a beau utiliser des produits, vous avez beau prendre la gamme de produits Belle Idée, sachez que si vous faites aussi secrètement, intérieurement, vous allez voir vraiment beaucoup et plus de résultats. Vous-même, vous constatez avec ma peau, vous voyez comment est-ce que ma peau est illuminée, elle est satinée. C'est grâce à ces petits secrets. Alors, vous allez garder pendant 24 heures et vous allez commencer à boire avec toute votre famille. Vous pouvez l'utiliser comme votre eau. C'est très important. Il n'y a plus d'excuses pour être belle. Il faut que chacun se prenne en main. Il faut que chacun puisse pouvoir porter son sous-vêtement sans qu'il soit mouillé, sans qu'il sache qu'il y ait de mauvaises odeurs. Ce n'est pas bon. C'est très important de prendre soin. Et encore plus, surtout pour nous les femmes, on dit l'extérieur, ça peut être beau, ça peut être attirant, mais c'est à l'intérieur qu'on cale, c'est à l'intérieur qu'on reste. Ça veut dire que quand papa vient pour être auprès de toi, pour ancrer dans ton intérieur, c'est là qu'il doit rester, c'est là qu'il doit caler, parce que c'est de ça qu'on a besoin avant la nouvelle année. Alors que chacun puisse se faire cette cure, et vous-même, vous allez voir les changements, vous allez me donner des témoignages. Alors là, c'est mon verre. Je vais vous présenter. J'avais déjà eu à faire parce que moi, c'est quelque chose que je bois chaque fois. Bon, je vais tout simplement ouvrir. Je vais mettre là. C'est un produit naturel à boire. C'est vraiment important. Voilà. Et je le bois tranquillement parce que le jour du lendemain, il prend cette couleur, vous voyez un peu, il prend cette couleur que vous voyez là. Donc franchement, c'était juste un message pour vous dire, votre santé dépend de vous. Dieu nous a tout donné dans la nature, Dieu nous a tout donné dans le bio. Il suffit tout simplement de connaître et nous sommes là pour véhiculer, pour partager ce message, pour pouvoir aider nos soeurs, nos frères, nos enfants et tous les membres de nos familles. Alors je vous porte vraiment dans mon cœur et dans mes prières que le Seigneur nous donne la vie, qu'il nous donne la santé et